Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la dernière ligne droite avant le départ en vacances. Aujourd'hui, je vais vous partager mon organisation avant un départ en vacances, comment j'organise mes bagages. Et là, ici, je vais vous parler du lissage indien que j'ai fait. Donc, pour celles qui se souviennent, l'année dernière, j'avais fait un lissage brésilien. Donc, c'était une copine qui me l'a fait. Et cette année, elle m'a refait le lissage indien. Et regardez-moi, en fait, comment ça ressort. Franchement, ça fait des cheveux super souple et super brillant. Donc là, ici, c'était le lendemain. Donc comment ça se passe quand on fait un lissage indien ou bien un lissage brésilien? Donc là, il faut pas laver tout de suite les cheveux et il faut les lisser tous les jours. Donc là, quand vous m'avez vu juste avant, c'était le deuxième jour. Ici, c'est le troisième jour où j'ai lissé mes cheveux. Donc vous pouvez le voir qu'au-dessus, ça commence à graisser. Donc franchement, si vous voulez faire un lissage brésilien ou un lissage indien comme celui-ci, essayez genre de le faire le jeudi. Parce que souvent, à partir du troisième jour, les cheveux graissent énormément. Donc au moins, vous pourrez laver les cheveux que le dimanche. Là, en fait, je me suis posée faire une sieste et comment vous dire? Que j'ai oublié que j'avais encore plein, 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 plein de choses à faire. Je m'en suis rendu compte au moment de me réveiller de ma sieste. Ici, je vais finaliser les valises. Je les ai déjà commencées en début de semaine, donc j'ai voulu mettre vraiment déjà tous les vêtements que je voulais prendre absolument. Donc en fait, je mettais tout et au fur et à mesure que je trouvais quelque chose, je rajoutais dans la valise. Donc là, ici, je plie et je range la veille du départ. Oui. Et à la veille du départ, je me rends compte que ma fille m'a attaché certains vêtements qui étaient prévus pour le Maroc. Donc direction la machine à laver et après le sèche-linge. Oui, avant de partir, j'ai lancé deux machines et deux sèche-linges. Oui, on n'arrête pas jusqu'au bout. C'est bon, j'ai fini de remplir cette valise, j'ai pesé juste après, on était à 22 kilos sur les 23 kilos demandés. Je voulais ici vous montrer aussi comment je plie et organise les vêtements. Donc j'utilise comme d'habitude la méthode de Marie Kondo et c'est vraiment le top pour visualiser les vêtements qu'on a pris. Donc maintenant c'est bon, on ferme la valise et on va s'attaquer à l'autre sac. Dans ce sac ici, je n'ai rien plié. En fait, juste quand je trouvais des vêtements, pareil, je les rajoutais ici. Je mettais les chaussures, les sacs, les draps, ce que vraiment je voulais ramener. Donc là, j'ai tout mis et je vais tout revider pour essayer de ranger ça plus correctement. Donc là, on va essayer de mettre les vêtements. Donc peut-être que pour vous, vous allez dire qu'il y en a énormément, mais ici, moi, je pars pour 4 semaines, sachant qu'on va dire que 3 quarts de mes vêtements vont rester au Maroc et je les donnerai au Maroc et je récupérerai rien avec moi. Donc là, ici, dans ces petites sacoches, elles sont super bien. Je vous les avais montrées il y a quelques semaines. Je les ai prises chez Shein et franchement, c'est top pour ranger. Donc dans ces housses, j'ai mis tout ce qui est gel douche, shampoing, lotion pour nettoyer son visage, vraiment tous les produits dentifrice. Et dans cette trousse-là, ici, je vais mettre toutes nos brosses à dents électriques. Thank you.
plu, il y en a encore. J'étais persuadée d'avoir rangé tous les vêtements. Et non, non, j'ai retrouvé un sac de vêtements que j'avais acheté pour mon mari. Donc, je lui avais pris des shorts. Et regardez-moi cette jupe. Franchement, j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Je l'ai pris chez Kiabi pendant les soldes. Elle était à 15 euros et je l'ai pris à 50%. Et franchement, elle est super jolie. J'aime trop, trop en fait ce genre de jupe comme ça, plissée. Ah, franchement, hâte, hâte, hâte d'être au Maroc. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Vous le saurez dans ma prochaine vidéo si j'ai réussi à passer la frontière. Donc en fait, à chaque fois que je prépare un papier, que je prépare tout, il y a toujours une personne qui vient me rajouter que non, finalement, il faut ça en plus, il faut ça en plus. Oh, comment vous dire? Le stress, mais total. Là, vous allez rire, hein. Il est bientôt 2h du matin. Je suis censée partir de la maison, donc aujourd'hui, à 3h du matin, et je ne suis toujours pas couché. Donc j'en profite pour vous faire ce montage vidéo pour vous le partager dimanche. Donc mercredi, si j'ai de la connexion, bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec le Maroc, c'est une autre histoire. Donc si j'arrive à avoir de la connexion, je vous partagerai une nouvelle vidéo. Et si je suis en France, j'aurai pas de problème de connexion et je vous repartagerai une autre vidéo. Donc ici, bon, on va arrêter. On va arrêter de. Je vais vous faire stresser avec moi au final. Hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer le maquillage. Donc je vais en profiter pour prendre le nécessaire. Donc je vais pas en prendre trop. Donc ici, je vous montre à peu près ce que j'ai à la maison. Il faudra aussi que je réorganise ces tiroirs. Mais là, honnêtement, pas le temps du tout, du tout, du tout. Donc là, vous verrez que je suis une grande, grande, grande addict des rouges à lèvres et des crayons à lèvres de la marque NYX. Franchement, ils sont vraiment top. Les rouges à lèvres Kiko sont aussi pas mal, mais vraiment, je préfère la marque NYX. Donc ici, j'ai fait un premier choix. Et ce que je vais faire, je vais tester tous les rouges à lèvres pour être sûre de prendre vraiment ce que je veux. Alors tout ce qui est électronique par contre, moi je n'en vois pas du tout en bagage à soute, je monte tout en bagage à main. Donc même s'ils me demandent d'envoyer les bagages à main en bagage à soute, je n'en vois rien parce que on connaît bien, on sait bien dans les aéroports. De temps en temps, il y a bizarrement des disparitions
On va appeler ça des vols. Donc moi c'est mort. Je monte toujours, en fait, tout ce qui est appareil photo, ordinateur, tablette, Switch ou autre, je monte avec moi. Et ma fille, je suis dégoûtée, normalement, elle a la housse pour sa Switch. Je ne sais pas du tout où elle l'a mis. Impossible de la retrouver. Donc là c'est bon. J'ai fini enfin, enfin, de faire toutes mes valises. Bon, j'suis en train de vous dire ça, mais j'ai encore quelques petits vêtements qui sont à côté de moi là que je vais descendre. Et là, ça y est, c'est bon. Il est 2 h du matin. Je pars dans une heure. Ils nous ont demandé d'être à l'aéroport 4 h avant. Oh là 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 là, croisez les doigts avec moi, croisez les doigts avec moi. Là, j'en profite avant de partir, de faire un petit ménage. Donc moi, ce que je fais toujours, 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 avant de partir en vacances, je retire tout ce qui est housse de couette, protège matelas. Donc pendant tout le mois de vacances, en fait, je laisse le matelas aéré, j'en profite. Donc là, je passe l'aspirateur, je décale mon chevet et je retire toute la poussière qu'il y a derrière. Et je vais remettre mon petit tapis et après, je serai tranquille au niveau ménage. Après, je vous ai pas filmé la partie de la cuisine, mais tout ce qui était dans la cuisine, tout ce qui était dans le frigo, j'ai ma mère qui m'a tout récupéré. Donc tout ce qu'elle espérimait, elle a tout récupéré. Malheureusement, je n'ai pas pu éteindre le réfrigérateur parce que j'ai le congélateur en bas qui allumait, donc j'ai pas eu d'autre choix que de le laisser allumer. Mais quasiment tout ce qu'il y avait dans le frigo, ma mère l'a pris, comme ça, j'étais tranquille. Donc là, ça y est, c'est bon. On arrive au bout, on va nettoyer ce côté-là. Je vais pas, pareil, toujours passer l'aspirateur et comme ça, je vais être tranquille. Tranquille. Je fais que de vous parler de mes vacances, mais j'ai oublié de vous demander, vous avez prévu de partir où? Faites-moi rêver, faites-moi voyager. Est-ce que vous avez prévu de partir à l'étranger, de rester en France ou tout simplement de rester à la maison, vous reposer? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de connaître vos destinations et peut-être que ça me donnera des idées pour les prochaines destinations. Bon, on va un petit peu retarder les prochaines destinations parce que je pense que les prochaines destinations, il faudra être vacciné et pour l'instant, je suis encore entre deux. Me faire vacciner, ne pas me faire vacciner. Franchement, je suis ni pour ni contre. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas encore. Donc là, à la fenêtre, j'avais mis ma couette pour qu'elle prenne l'air. Donc là, je l'ai secouée. Je vais remettre tranquillement les rideaux bien. Et après, je vais replier la couette. Et c'est bon. On est prête. On est tous prêts pour le départ. La vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que celle-ci vous a plu, que je vous ai fait un petit peu voyager. Pour l'instant, que dans mes bagages et j'espère vous faire voyager tout au long de ce mois au Maroc. Croisez les doigts avec moi, croisez les doigts avec moi. Donc en plus, si j'ai de la connexion, j'essaierai de vous partager un maximum de vidéos. Mais bon, ça, on va pas se porter l'œil, on va attendre d'être dans l'avion et après, on parlera du programme. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, surtout, surtout, hein, liker un maximum. C'est ce qui permettra à mes vidéos d'avoir plus de visibilité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire. Et je vous fais de très, 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 très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.